J'exerce le métier d'esthéticienne ici depuis 2 ans, avec des produits bio et en institut et en vente. La CCI de l'Essonne m'a contactée pour me proposer de monter ensemble le dossier pour accéder au label 3D. Le label, c'était remplir 5 défis sur à peu près une vingtaine. De par mon activité, c'est vrai que j'ai très peu d'utilisation d'énergie, d'électricité, donc c'était déjà un défi. Utiliser par exemple des sacs en papier éco pour mes clientes plutôt que des sacs en plastique. En institut, c'est vrai que j'utilise que des produits bio aussi, donc ça en faisait partie, et également pour l'entretien du magasin. Je suis secrétaire de l'association des commerçants de ma ville, donc c'était voilà, prendre partie de l'animation de la ville, et puis mettre en avant des clientes qui font de la bijouterie fantaisie, de la peinture sur tissu, etc., que j'expose dans le magasin. C'est important pour moi d'avoir ce label commerce 3D parce que c'est une mise en avant, c'est vraiment complètement dans mon concept aussi. Et puis voilà, ça a été un véritable essor pour la boutique et les clients, ils sont sensibles. Depuis que la chambre des commerces m'a contactée, qu'on a monté ce dossier, etc., c'est vrai qu'on a une relation, bah, toujours en parallèle. Je sais que si j'ai besoin d'eux, ils sont là et voilà, il y a un suivi quotidien.